Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Oui, ça fait longtemps que je n'ai pas vlogué. En fait, j'avais commencé à vloguer et je me rendais compte qu'il n'y avait rien dedans et que c'était pas intéressant, donc je ne le publiais pas. Donc voilà, aujourd'hui, on verra si c'est intéressant. Normalement, oui. Je suis déjà partie de chez moi. Il doit être presque 14h, 13h30, je pense. Je vais rejoindre une copine. Nous allons au salon du tatouage. Ou convention du tatouage, quelque chose comme ça. Voilà, ça peut être très très intéressant. Ce matin, j'ai déjà tourné deux vidéos. Donc, une qui est déjà publiée et l'autre que je vais monter plus tard et publier plus tard. Donc voilà, il fait pas beau du tout, il fait tout gris, il y a du vent, enfin voilà. Bon, je vais rejoindre Jessica et c'est parti pour le salon. Tatouage, franchement, c'était pas mal, c'était vachement beau. Il y avait plein de tatouages et tout. J'ai essayé de vous filmer un peu, mais c'était pas facile parce qu'il y avait énormément de monde. Des fois, bah, les personnes qui se faisaient tatouer n'étaient pas forcément trop habillées, on va dire, et j'avais pas envie de les filmer. Donc, des fois, vous allez pas voir grand-chose parce que bah, les gens passent devant la caméra et forcément, bah, on voit rien. Mais je vous ai filmé un petit peu. Voilà, c'était franchement très bien. On a vu plein de beaux trucs, des trucs un peu moins jolis. J'ai vu mon tatoueur là-bas. Et ça me conforte dans mon truc qu'il m'a un peu loupé, entre guillemets. Quand on a vu son book et qu'on a vu les choses qu'il fait. Voilà. Bref, je ne rentrerai pas dans ce sujet. On a bien rigolé quand même. On a vu des choses franchement magnifiques par contre. Vraiment, voilà. Là, du coup, j'attends Jessica, elle est en train de se changer. On va aller chez Action parce que j'ai vu des tapis rafraîchissants pour chiens et vu que Kiara souffre beaucoup de la chaleur. J'espère qu'il y en aura encore parce que celui de Champy, donc à côté de Rennes, souvent les rayons sont vides.
Et il n'y a pas grand-chose. Du coup, j'espère qu'il y en aura, mais bon. Donc du coup, j'en prendrai pour Kiara, mais aussi peut-être pour les lapins, parce que bah eux, des fois aussi, souffrent un peu de la chaleur. Donc je me dis que ça dépend de la matière, parce que s'ils le bouffent, ça sert strictement à rien. Mais ouais, je vais regarder ça. Et puis ça fait des mois que j'ai pas été chez Action. Donc voilà. Sinon, ce soir, on doit aller faire un pique-nique au bord d'une petite rivière à moitié. Je sais pas si j'ai Kiara ce soir ou pas parce que mon conjoint est parti à la pêche. À la mer, mais il va pêcher toute la nuit. Il voulait emmener Kiara et moi je lui ai dit que non parce que bah Kiara toute la nuit elle va avoir froid quand même, petite louloute. Bon lui il m'a dit qu'il emmenait une espèce de couette et qu'elle irait dessous avec lui, mais je suis pas pour. Voilà. Pour qu'elle aille toute la nuit dehors comme ça, je préfère qu'elle soit. Dans son panier à la maison, on va dire ça comme ça. Donc je sais pas, il est parti tout à l'heure et j'étais déjà partie, donc je sais pas s'il a prise ou pas. Sinon je l'emmènerai ce soir. Il y a encore des nuages, mais il y a un petit peu de soleil. Donc tant mieux. Bon, après mon gros blabla, je crois que je vous ai tout dit. Je voulais vous faire montrer le verre qu'on a eu. Rennes Tattoo Convention. Franchement, il est juste magnifique. 3, 4 juin. 3 et 4 juin 2017. Il est juste trop beau. Voilà, je voulais juste vous faire montrer ça parce que bah, je le trouve beau. Carré sa brosse à dents. C'est dans l'autre sens. Ah non, t'avais pris dans le bon sens. C'est sa petite brosse à dents. Bon bah kiffe, hein. Tu aimes mon amour? Du coup, nous sommes allés chez Action, où j'ai bien cracos quand même, on va dire ça comme ça. Je vais vous faire montrer, je pense que ça va être plus simple. J'ai pris beaucoup pour Kiara. Hein. Bon là, j'ai pris une espèce de brassière comme ça en blanche. J'ai pris, je vais lui montrer après parce que vu qu'elle mange. Il est où le pot-poête? Normalement, il y a un pot-poête dedans. Bah mince. Bon, je ne sais plus où il est, mais il est quelque part. Ah là. Donc, c'est un petit truc comme ça. J'ai trouvé. Parce que Kiara, comme je disais, aime pas la chaleur. Les tapis comme ça rafraîchissants, bah forcément j'ai pris en rose. J'en ai pris deux. Parce que je voulais tester pour les lapins, mais je sais pas si ça va le faire ou pas. Donc voilà. J'ai pris de l'assouplissant comme ça. Je n'ai jamais acheté d'assouplissant et voilà, j'avais envie de tester. J'ai acheté un lance-balle comme ceci qui est super grand pour jouer avec Kiara. Voilà, il me semble que j'ai acheté que ça à Action, ce qui est déjà pas mal du tout. Ça, c'est pour Mademoiselle Kiara encore. On est allé chez Maxi Zoho. Ah, nous sommes allés. Donc là, c'est du. En fait, Kiara est au sans céréales, que ce soit pour croquettes ou pâtés. Et j'avais des friandises, mais avec céréales, du coup, ben, autant continuer. Donc c'est des petits bouts de poisson, je sais pas, vous êtes là, il y a les têtes, c'est dégueulasse, mais bon. Et du poulet autour, bah là on a déjà mangé, elle adore. Et ça c'est sa petite brosse à dents que je vous ai fait montrer, où elle adore aussi. Elle est en train de manger là. Ouais, Kiara, ça dure pas bien longtemps, hein, la friandise, mais bon. Qui est bon? Ma foi, ça a l'air bon, hein. Il n'y a déjà plus rien, mais bon. Ça t'a lavé tes dents, mon amour? Parce que les brosses à dents, c'est fait pour ça. Elles m'ont mis partout sur mon plaid, Kira. C'était le mauvais plan de faire ça sur le canapé. Hein. Tiens. Mais, loulouille. Bon, voilà. Du coup, je vais préparer mon pique-nique. Nous allons pique-niquer. Nous allons pique-niquer dans un parc pas très loin de chez moi. J'emmène Kiara, bien sûr. Et il y aura donc mes deux copines sur avec leur chien et peut-être une autre avec son chien aussi. Donc voilà, ça va faire une petite sortie entre filles à pique-niquer. Et puis en même temps, bah, les loulous, bah, ils pourront s'amuser. Donc je vais vous emmener quand même avec moi aussi, hein.
Bon bah ma foi, ça a l'air de plaire aussi. Chiara, elle est pas difficile niveau jouets, niveau friandises. Quand c'est chez elle, ça va, mais dès que c'est à l'extérieur, si quelqu'un veut lui donner une friandise, bah elle mange pas. Et quand c'est maman à la maison, tout passe, hein. Et là, ouais, je sais pas si vous entendez bien le bruit. Ça va être pénible, je le sens, mais bon. Bon bref, elle le kiffe, hein, son petit truc là, fait voir. Attends, Louloute. Attends. Ouais. Elle va essayer de choper les yeux, je pense, en premier. Et le bec. Voilà. Je la connais, ma princesse. Tu veux quoi, Kanza? Celui-là, il va bien t'aller. Toujours je te sers ou quoi? Oui, vas-y, sers-moi. Bah, je sais pas, les Konova, c'est bien. Je veux pas tout dire. On m'a dit la tête. Allez! Elle essaie de trouver une entrée. Mon Kiara! Il ne viendra pas, il y a des chiens. Oh, pauvre. Pauvre bandit tout seul. Ça pas de famille parce que c'est. Jérémy, son ami. Mais oui. Donc voilà, il est bien plus tard parce qu'il doit être presque 23 heures passées même, je pense. 23h20. On est rentré, il devait être 22h, 22h30, quelque chose comme ça. On a bien rigolé, comme d'habitude. Par contre, Kiara, bah, elle veut faire comme les autres, elle veut courir, mais ben, au bout d'un moment, elle n'arrive plus à respirer, elle a la langue bleue, elle ne sait pas s'arrêter. Elle est pénible, quoi. Dès qu'il y a un autre chien qui s'approche de moi, elle grogne, elle veut l'échiquer. Pour de la bouffe, c'est pareil. Elle est pénible! Donc voilà, elle a été pas mal punie. Il a fallu que je l'attache pour qu'elle arrête de courir parce que bah, la langue bleue, enfin, faut quand même qu'elle s'arrête au bout d'un moment, quoi. Donc voilà, j'ai filmé un petit peu, mais pas trop. J'ai surtout pris des photos, mais bon, je vais pas mettre des photos dans le vlog. Voilà. Je suis épuisée. Je suis épuisée. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Louloute, ma louloute est là. Elle mange sa corne de cerf. J'ai mis son tapis rafraîchissant là. Ben, elle s'est allongée dessus quand elle est arrivée. Mais bon, maintenant elle a plus chaud donc elle s'allonge pas dessus. Là, il y a Mimi la crotte. Là, mon chat. Voilà. Et moi, ben, je vais donner à manger au lapin. Je vais aller me démaquiller, me mettre en pyjama et au dodo. Voilà, parce que entre la convention du tatou, après on a fait les magasins, après on a été pique-niquer. Donc en fait, on a vraiment pas mal marché. Ça m'a fatiguée. Je suis épuisée. Je dors très mal en ce moment et pas beaucoup. Du coup, je sais pas si c'est la chaleur ou autre. Mais voilà, Kiara a lancé son parfum habituel fleur d'anus. Je suis ravie. Elle est décontractée, la grosse, donc voilà. Voilà. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. J'ai essayé de filmer un petit peu. Voilà, j'y pense pas forcément tout le temps. Et surtout, j'ose pas. Au début, au salon du tatou, j'osais pas. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, bon, allez, vas-y, Héloïse, filme. Et tant pis, tu t'en fous des gens. Dans les magasins, il y avait beaucoup de monde, donc là, franchement, c'était pas possible bah, de filmer. Et c'est bête, mais si je filme, j'ai peur de pas voir et de voir des choses qui me plaisent en même temps, parce que bah, tu filmes et tu fais pas attention, du coup. Donc voilà, je sais pas ce qu'elle me fait, mais bon, c'est pas grave. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, à liker la vidéo et à me laisser des petits commentaires. J'aime bien vous lire. Je vous réponds pas forcément tout de suite, mais vous savez, à part si j'oublie ou que je sais pas.
Mais vous avez une réponse généralement, à chaque fois je vous mets une petite réponse et ça me fait vraiment plaisir de voir vos petits commentaires. Dites-moi si ça vous a plu, si vous êtes tatoué, si vous êtes vous aussi allé dans des conventions du tatou comme ça. Moi c'était la première fois et franchement c'était pas mal. Donc voilà, je ne sais pas quand est-ce que je vais revloguer, je peux pas vous dire, mais je suis contente de l'avoir fait aujourd'hui et surtout d'avoir filmé des choses et de pouvoir vous proposer quelque chose surtout. Bon, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous!